Et poète YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment, oui, désolé pour le t-shirt rouge, ça agresse les yeux, ça agresse le visage, ça agresse un peu tout. J'espère que tout le monde va bien. Alors attendez, je vais juste essayer de régler la bébête, parce que... hop, j'ai des belles choses. J'ai deux, trois petits trucs à vous montrer, des choses récupérées par-ci, par-là. Alors, premier point, oui, YouTube, avant que j'oublie. Dimanche soir, donc la vidéo va être upload soit ce soir si j'ai le courage, soit sinon cette nuit, donc elle sera dispo, enfin bref, elle sera là. N'hésitez pas donc à venir dimanche soir, qu'est-ce qu'on fera? On ouvrira, enfin vous allez voir sur Twitter, j'ai mis le petit message sur Twitter, n'hésitez pas à aller follow sur Twitter si jamais, parce que comme ça vous avez au moins les notifications, etc. de quand j'arrive en live. Vous aurez évidemment, bien évidemment, un petit truc sympathique, on va ouvrir, on va déboîter la gueule du NPDP pour essayer de lire ce qu'il y a sur la cartouche et essayer de dumper. Donc jeudi soir je vois ça avec un collègue. Salut Dingo, j'espère, annonce ton cul. Ah t'as vu, tu peux pas dire joue mieux, je suis pas en train de jouer. J'espère que tu as rien Dingo. Ah, ça, tu vois, ça m'a manqué, ça fait 3 semaines que j'ai pas lancé un live. Et je crois que ça sera il y aura deux lives là, enfin 2-3 lives là pendant cette semaine, donc dont un dimanche. Mais sinon globalement, il y aura assez peu de lives parce que les 15 jours qui arrivent, ça va être pareil, très compliqué. Donc c'est pas bien grave. Mais juste, c'était donc petite annonce ce soir, donc dimanche, Dingo, n'hésite pas à venir dire bonjour. On démontera le NPDP du coup. Il y aura un démontage, un check de l'intérieur. On verra. Sûrement. Et le but, ça va être de lire du coup la cartouche NPDP que j'ai récupérée il y a un petit moment déjà, quasiment en même temps que le NPDP Reader d'ailleurs. Et donc le but, ça sera de voir ce qu'il y a dessus, puisque ce sont effectivement... Enfin, je discutais un petit peu à droite à gauche, je cherchais un peu les différents trucs, et ce qui est dessus n'a jamais été dumpé. Donc ça sera l'occasion de voir des choses qui n'ont jamais été montrées, et en plus de ça, également, de montrer comment dumper une cartouche NPDP, en l'occurrence, et également de les partager. Donc après il y aura un lien de partage, etc., qui sera évidemment sous la vidéo du dump et qui sera mis pareil sur, enfin qui sera mis en ligne également, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, pour en revenir un petit peu aux différents petits trucs qui ont été trouvés plus ou moins récemment. Alors un truc un peu classique là, quoique en fait j'ai craqué parce que quand j'ai vu que c'était les mecs de TimeSplitter qui avaient fait ça, je me suis dit allez tant pis, j'y vais, et puis voilà. Donc on le sait, je testerai peut-être ce soir si j'ai le temps. Terrible. Voilà, ce soir, on le testera peut-être ce soir si j'ai le temps, mais j'ai branché la console JAP-US, parce que du coup, ce soir, on va faire du JAP et du US, je pense, principalement, et peut-être du PAL si on a le temps, on verra. Parce qu'il y a des trucs à regarder. Donc le premier truc, premier petit truc, c'est celui-ci, donc le Second Sight, donc qui a été fait évidemment par l'équipe de TimeSplitters, voilà. Vous voyez, en haut à gauche, c'est écrit que c'était fait par l'équipe de Free Radical Design, donc ceux qui ont fait TimeSplitters, donc ceux également qui ont fait sur Nintendo 64 le très bon James Bond GoldenEye, d'accord. Donc en FRA, complet, machin, en bon état, enfin voilà. Et donc celui-ci, peut-être qu'on testera ce soir, j'ai l'impression que c'est un truc un peu à la guest, c'est-à-dire je vois, c'est marqué Force Spéciale, Infiltration, Télékinésie, Attaque Psy et Projection. J'ai l'impression que c'est un truc un peu à la guest, donc on va donc avoir s'il est bien ou pas. Je ne l'avais pas, et du coup, ben, c'est cette petite rentrée qui met bien. Alors attends, je vais juste baisser un tout petit peu le son de YouTube. Tac. Hop, voilà. Je vais faire ça plutôt comme ça, et je vais remonter un tout petit peu légèrement pour toi. Tac, voilà. Donc le Second Sight, donc plutôt content. Rentrée, bon voilà. D'habitude, je fais pas trop de vidéos rentrée, mais là, pour un coup... Deuxième petite chose, donc alors le magasin d'ailleurs chez qui j'irai faire un de ces quatre un tour avec la caméra embarquée. Oui, il y a un truc qu'il faut que je vous mette aussi en ligne, j'ai pas mis en ligne. Ce week-end j'étais faire un tour à... Comment ça s'appelle? À la RGA, donc Retro Game Alp, RGA, donc qui est une asso en fait qui permet de montrer un petit peu ben, les différentes choses. Donc vous avez des flippers, vous avez des baby foot, donc flippers de sous années 70, mi-années 70 jusqu'à début des années 2010, 2015 on va dire. Il y a même des flippers récents, il y avait des flippers récents qui étaient là pour une asso typiquement. C'était un Jurassic Park, alors c'est un des derniers qui est sorti chez... j'ai bouffé le nom. Bref, c'est un des derniers qui est sorti.
récemment apparemment, et donc c'était le seul qui était payant au niveau des jeux, sinon tout le reste était vous payez, alors je sais plus, c'était 3 ou 4 euros l'entrée, enfant de moins de 6 ans gratos, 5 ans ou 6 ans gratos, en bref voilà, et du coup vous aviez accès donc à tout, donc tous les flippers. Il y avait également du rétro, donc alors beaucoup de micros, ça allait jusqu'à la donc des premières micros, il y avait la première Nintendo, alors j'ai pu manger son nom, la Nintendo Orange toute bizarre là, qui était faite avant la NES, j'ai bouffé son nom, qui ressemblait un peu à une espèce de Pong. Donc il y avait donc ça allait même d'avant ça, il y avait de la Vectrex, voilà, il y avait plein de choses, plein de belles choses à voir en tout cas. Et ça allait jusqu'à la Dreamcast, puisqu'ils considèrent que la Dreamcast c'est du rétro mais pas le GameCube. Donc on est en désaccord, je suis en désaccord avec eux là-dessus, mais ça c'est encore une autre discussion. Bref, il y en a qui considèrent que le pixel c'est. Mais tout est considéré, tout est pixelisé maintenant, si on parle dans ce sens-là, le pixel c'est le pixel, bref. Ensuite, deuxième petit truc qui est rentré, et ça plutôt content, parce que je l'avais pas celui-ci, et c'est les fameux 173 blocs 1 à 4 joueurs, c'est des jeux américains spécifiques américains, donc celui-ci, le Madden NFL 07, donc en version forcément exclu US, puisque forcément, alors exclu US, du moins sur le GameCube, puisque forcément en 2007, donc sorti en 2006, celui-ci, normalement il existe un Madden NFL également en 2008, puisque sorti en 2007, et c'est d'ailleurs le dernier jeu, le Madden NFL 2008, qui est sorti en version US. Il me semble que c'est le dernier jeu officiel Nintendo qui a été produit. Voilà, donc celui-ci, sorti, tac, vous voyez. Licence en 2001, sorti en 2006, voilà, par Electronic Arts. Et donc, celui-ci, on va le tester ce soir, puisque les Madden NFL étaient pas trop... Enfin, les Madden en général, c'est pas la folie, mais j'aimerais bien tester celui-ci parce qu'il m'a l'air plutôt sympathique, et graphiquement, encore un truc un peu spécial avec, vous savez, on se retrouve avec des blocs délirants, parce que vous pouvez faire évidemment votre équipe à votre image, donc avec des trucs complètement délirants. Donc celui-ci, auquel on jouera en deuxième partie de soirée, je pense. Et avant, enfin, et pour attaquer, du coup, ce soir, alors, je sais pas si on attaque par ça ou si, je vais voir. Je sais pas si on attaque par ça ou si on peut attaquer par autre chose. Il y a pas de problème de connexion ce soir, hein. J'ai pas l'impression que ça bug. J'ai quelques soucis avec la box récemment. Non, ça a l'air d'être bon. Tout le monde a l'air d'être là. Ouais, tout le monde est là. Nickel. Très bien. Et donc, le dernier petit truc. Que j'ai récupéré un petit moment mais que j'avais pas encore présenté, c'est alors le mec a refait une jaquette, donc faudra que je regarde pour remettre ça, prendre une jaquette et l'imprimer en haute qualité parce que là c'est un peu dégueulasse, mais du coup je vous montre ceci. Alors ceci c'est un peu spécial, c'est un DVD qui était sorti, c'était assez peu de juste micro coupure au début, ah désolé. Ah ouais, on a des projets, du problème de connexion, donc si ça coupe, je suis désolé d'avance. Il y aura le record pour YouTube, et le record du coup sera présent, et sera bien là. Si jamais ça recoupe, n'hésite pas, il y aura le record sur YouTube, si jamais. Donc celui-ci, qui est sorti avec un magazine exclusif japonais, du coup, qui est sorti à assez peu d'exemplaires. Et alors le petit truc spécifique, c'est qu'en fait, c'était un... Alors c'est Famitsu qui avait sorti ça, et donc vous aviez un DVD donc classique GameCube, d'accord, c'était pour l'occasion de la sortie du RE4, enfin du Hazard, forcément, du Hazard Card, donc avec un DVD de démo un peu spécifique apparemment, de ce que j'ai compris, il y a des choses dessus, mais j'ai pas encore regardé quoi, donc ça sera la surprise ce soir, on sera tous surpris en même temps, et ainsi qu'un DVD plus classique, donc celui-ci, on va commencer par celui-ci je pense, à lire sur l'ordinateur. Et donc aucune idée de ce qu'il y a dessus, puisque c'était, c'est un double disque extra, alors je sais pas vous dire ce qu'il y a exactement dessus. On verra bien, ça va être la grande découverte. Donc le mec a refait une pochette, ça c'était l'avant de la pochette, ça c'était l'arrière de la pochette, le mec a récupéré ça en ligne, quoi. Donc avec le Devil May Cry 3 derrière sur PlayStation 2, parce que forcément c'était Capcom, hein, donc voilà. Donc on va voir, on va commencer par ça je pense. Juste le temps que je prépare ma scène, parce que je pense que ma scène est cassée, vu que j'ai fait l'interview avec TCK pour TCK la dernière fois. Tant que je mette ma scène en place, et après on démarre là-dessus. Alors attends, hop, je check vite fait pour pouvoir voir si. Alors ça va être celle-ci, je pense. Il faut que je masque juste ça. Voilà, le chat peut rester, tout ça peut rester.
Par contre, il faut que je récupère ce que j'ai dans le plein écran, que je le recentre. Voilà. Excusez-moi, je remets en place ma scène parce que du coup, j'ai tout cassé la dernière fois pour TCK. Il y a des choses qu'il faut que je remette en place. Donc, on va mettre le DVD dedans pour voir ce que ça donne un petit peu. Parce que voir s'il se lance déjà, qu'est-ce qui. Oula. Il y a des grosses traces de doigts. Je l'avais pas sorti. Hein. C'est. Et donc, visiblement, apparemment, celui-ci, ce double DVD, donc ce DVD plus ce mini DVD, qui, visiblement, ne sont pas si courants que ça, de ce que j'ai compris. J'ai discuté avec un mec, justement, qui est au Japon, qui parle un petit peu anglais, et qui m'expliquait que, visiblement, c'est pas quelque chose de très très courant, donc je sais pas vous dire exactement à combien d'exemplaires c'était tiré ou pas tiré ou quoi que ce soit. Je vais juste vous dire que, alors, il y a Tagadagadak, on a. Visiblement 4 fichiers, 5 fichiers à lire, un Media Player, Windows Media Player qui est là, donc on va. Hop, alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là. Donc, je vais vous lancer ça. Je vais lancer ça en espérant que ça fonctionne. Et on va attendre que ça charge. Joker. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer avec VLC. Je vois qu'il y a aussi des trucs de chez VLC, oui. Je vais télécharger la mise à jour. Je vais installer la mise à jour. Évidemment, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas lancé VLC, il vous fait la mise à jour. Pouette. Alors, ça marche, ça marche pas. Ça part de marcher. Ça non plus. Ok. Ok, ok. Alors, comment je peux essayer ça? Celle-ci, peut-être, de vidéo? Alors, visiblement, ça ne lit pas les trucs. Cool. Alors, j'essaie d'ouvrir avec VLC, le point VOM, mais j'y crois pas du tout. Vérifier... Alors, visiblement, on me dit que ça marche pas. Ça lance des choses, mais ça ne se lance pas. C'est génial. Alors, dans audio, j'ai rien. J'ai que des choses dans vidéo. Alors, attendez, je vais essayer de lancer celui-ci. Dernier espoir. Mais là, d'habitude, ça marche très bien. Mais là, il me dit que visiblement, ça marche pas. Alors, est-ce que Power DVD va savoir le lire? Alors, visiblement, Power DVD n'a pas bien chaud. Ah, attendez. Alors, Power DVD. Il n'y a pas à emballer pour. Il n'y a pas à emballer, il n'y a pas à devoir les lire. C'est pratique. C'est cool quand ça marche pas. Ça fait toujours quelque chose à raconter au moins. Alors attendez, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de trouver avec quel logiciel je peux lire ce genre de choses. Parce que du coup, c'est des points VOB. V-O-B. Alors visiblement ça serait un Blu-ray. Non. Existe également une fonctionnalité d'édition vidéo dans la base de VLC. Cependant, VLC ne joue pas de problème et ne veut pas le jouer. Bon, alors attendez, je vais retenter un coup avec VLC, voir pourquoi il me fait chier. Hop. Ouvrir un dossier. On va essayer d'ouvrir un dossier en lui disant tiens que c'est plutôt un dossier et pas un. Hop. Sélectionner un dossier, voir ce qu'il dit. Ah ah ah. VidéoTS.vob. VidéoTS.vob. Ok. Et il plante, il plante, il plante. Ok. Nickel. Donc VLC ne veut pas lire ce message. Ne perd ses points Vob. Nickel. Trop cool. Bien content. Non, je vais le laisser là quand même, celui-ci.
Bon. Alors, on va essayer un autre. Hop, que je connais aussi. Et avec un peu de bol, ça devrait pas poser de problème. Hop, désolé, ça va ramer un peu. Hop. Tadac. On va tenter celui-ci, hein. Hop, hop, hop. Tac. Désolé. Les choses qui arrivent, l'avantage du live. Et bonsoir à vous qui êtes en train d'attendre comme des cons. Hop. Ouais, on verra après. On s'en fout. Alors, on va tenter de lancer ça comme ça, voir si ça veut bien. Est-ce qu'il va bien vouloir me lancer ça? Ça a l'air de mouliner. Ça mouline encore. C'est intéressant, hein, comme live. Je suis pas à fond. Vraiment? C'est quoi? C'est tous les trucs qui se lisent pas? Est-ce qu'il faudrait pas que je lance celui-ci plutôt? Coucou Seidus, j'espère que tu vas bien. Désolé, hein, c'est un live intéressant sur quelqu'un qui s'est lancé. Alors celui-ci se lit mais fait pas tout. Ah. Alors là celui-là repère que c'est un DVD de Capcom. Ah. Alors attendez. Ne bougez pas. Bougez pas trop quoi. De toute façon. Alors. Est-ce que je vais paramétrer ça? Du coup, on va pas choper ça, on va choper ça. Terminé. Hop, on va le remettre ici. Je vous inverse, parce que sinon vous allez rien voir, et moi je vais pas voir quand vous me parlez. Ah là là, quelle galère. Là, et normalement, voilà. Normalement, vous avez du coup des choses qui sont écrites. Ça fait un bail, effectivement, ça fait un bail. Ouais, mais en fait, c'est beaucoup de boulot, et j'ai pas... en fait, le dernier truc que j'ai pu faire à peu près gros et correct, c'était l'interview que j'ai faite, mais... Je suis vraiment désolé, ça va revenir, c'est juste... Bon, du coup, j'arrive quand même à lire ça. Donc là, visiblement, on a quand même quelque chose. Je sais pas vous dire quoi, pourquoi, comment, ni quoi, mais au moins, on a quelque chose. Alors attendez, je vais juste vous bouger. J'ai juste vous décaler légèrement. Vous êtes où? Là. La chatbox. Je vais juste vous décaler juste un tout petit peu. Hop. Voilà. Hop. Ouais, bah, c'est... Alors, attendez, c'est pourquoi il s'est arrêté, Jean-Claude? Lecture. C'est bon, il est reparti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le son ici. Voilà. Je vais couper le son de ça. Ah! Ah, on a des choses! Enfin! On a des choses. Alors, on n'a pas d'autres sons, mais on a des choses. Instore no all play. Alors tiens, on va voir ce que c'est. Alors attends, ce que je vais faire, c'est vu que c'est du 4 tiers, je vais complètement décaler l'image ici. Voilà, pour vous ayez un beau 4 tiers. Je suis désolé pour les oreilles. Je vous baisse ça. 6 years have passed since that horrendous incident. Voilà. Ça va au niveau du son, c'est pas trop fort. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Trop d'engouement. Who are you really? Come on and tell us. Ah.
images de capture du jeu, du coup. C'est quand même terrible de tirer sur tous ces gens, ils ont rien fait. Resident Evil. Ah, c'est pour que Zelda se passe une bonne nuit. J'ai vu que c'était Zelda, c'est pas la peine de faire semblant. Juste un petit peu le son parce que ça marche un peu fort. Resident Evil. Hop là. Et boum. Oh mon dieu. Ah. Small world, eh? Well, you know. Don't worry. She's cool. Cool. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. You all right? I'm fine. Just leave me alone. Leon! J'adore. C'est vrai que il y a des passages. Ah. Chérie, je suis rentré. Pardon. Il y a votre final, ça doit faire mal. C'est pas le remaster, c'est tiré de ça. C'était un DVD qui était offert en fait dans un magazine au Japon et qui a été assez peu c'est Famitsu qui a été assez peu édité. Et du coup en fait dedans t'avais également un jeu, t'avais également un bout du jeu intégré. Donc c'est une version démo en fait, en plus du DVD. Mais apparemment c'est une version de démo plus. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais c'est pas courant et c'est assez recherché, ce que j'ai compris. Voilà. Mais bah, j'ai trouvé complètement par hasard. J'ai demandé ça pas cher, j'ai dit bon, allez. C'est pas ça qui va me ruiner sur le. Et donc là du coup j'ai lancé le DVD, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans avant, donc c'est. C'est pas Resident Evil ça monsieur. Donc du coup effectivement également au dos vous avez une pub pour Devil May Cry pour PS2. Donc potentiellement voilà. Peut-être pour ça qu'on a un DVD Alors il est pas estampillé Nintendo celui-là hein. Celui-là non. Par contre l'autre oui. L'autre oui est estampillé Nintendo. Alors peut-être qu'on a Devil May Cry sur GameCube, ce serait marrant. Je sais même pas si c'était dumpé celui-ci, j'ai aucune idée. Faudrait que je regarde. Je regarde juste longtemps encore, excusez-moi, je bouge deux secondes. Ah merde, je peux pas voir la barre de défilement. Okay. C'est vrai que. Ça change de l'ambiance quand même de Resident Evil. Hein. C'est quand même badass. Je suis désolé, mais vous avez vu la bande-annonce de Resident Evil avant? Vous voyez celle-là maintenant. Qu'est-ce qui vous donne envie, le plus envie de jouer c'est. Franchement, Devil May Cry sur GameCube, ça l'aurait fait, non? Putain... On n'a jamais eu le droit à ça, non. On a le droit qu'à Resident Evil, quoi. On n'a jamais eu le droit au bon jeu, de toute façon. J'aime pas taper. Allez, j'arrête, j'aime pas taper. Ah merde, attends, j'ai un truc qui est difficile. Ouais.
excusez-moi, j'ai oublié. C'est bon. Ouais, ouais, je sais bien. Ah ouais, sur PS2, ils sont pas chers, ouais. Bah, en fait, sur GameCube, les seuls qui sont chers, c'est le 2 et le 3, en fait. Enfin, oui, quand je dis cher, oui, d'accord. Oui. C'est, on n'est pas au niveau d'un... D'ailleurs, j'ai... De qui est la musique, d'ailleurs? Est-ce que quelqu'un a le nom de... J'aime bien ces musiques un peu, vous savez, c'était à l'époque Children of Bodom, comment, Nightwish, etc. Un peu, des... Vous aviez des vidéos, comment... Sur Counter-Strike, de mecs qui faisaient des headshots, hein, puis t'avais la vidéo qui continuait comme ça, etc. Ah, c'est le 3. Excusez-moi, j'ai précisé que c'était le 3. C'est pas pour moi. Effectivement, c'est le 3. Ok, donc ça, c'était les... Enfin, c'était les jeux qui sont actuellement en cours, du coup. Ah, il y a une petite vidéo bien sympathique, quand même. Capcom. And co. All right, reserved. Ok. Ok, baby, ok. Oh! Du Capcom, encore? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donjon Hunter? Non, pas Donjon Hunter, c'est comment... Merde, Monster Hunter, pardon, excusez-moi. Vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a une idée de ce que c'est? Il a l'air sympa en tout cas. Il a une bonne bouille. Putain, c'est quoi encore ça? Et pourquoi on n'avait pas ça nous? Monster. Monster Hunter. Ah, ça fait Monster Hunter, je trouve, dans l'idée. Non. C'est sur quoi ça? Sorti sur quoi ça? Non mais ils disent pas sur quoi c'est sorti. Ils sont sérieux? True Crime, GTA Vice City, voilà. Run Like Hell, Capcom Fighting Jam. Putain, ça fait chier, c'est tout écrit en japonais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu. Aucune idée de ce que c'est. Ah, ma culture vidéoludique de cette période-là, hors GameCube, reste assez minable. Hein. C'est pas Gladius, ça. On est à jouer au Gladius. Alors, qu'est-ce? Il est trop fort, notre champion. Ah, parce que Donjon Hunter, c'est... Ouais, enfin, bref. Oula, César qui meurt. Comme un César. Sérieusement, c'est de cette époque-là, ça? Vraiment? Prince of Persia, je sais. Non, c'est pas ça. Ah, je sais, Gladiator, ouais, un peu, ouais, non, c'est ce style-là. Non! Non, je n'ai pas tué! Oula. Including a certain Brutus, who Caesar would never have expected to turn his back on him. En tout cas, il est plutôt propre. Plutôt cool. Ouf! This is not a child's playground. Mm-hmm. Jeu de pouvoir, etc. Le Sénat. May I propose holding gladiatorial games? Gladiatorial games. Putain, ça a l'air ultra propre. Alors c'est sur PS2, parce qu'on a vu en haut à gauche les croix et les carrés. Le bouton croix et le bouton carré. Donc c'est sur PS2, c'est sûr.
Mais qu'est-ce? Qu'est-ce donc? Octavianus, I shall be a gladiator. We shall avenge Caesar's death and make his spirit glad. Ok. Tu déconnes. Mais c'est trop cool. Oula. Ah ouais. Bagarre de char. Ni d'un Mario Kart comme ça, sans déconner. En mode bagarre de char. No barbarian has the power to crush mighty Rome. Bon, ça sent le jeu quand même extrêmement lissé de ce que t'avais à l'époque, quoi. C'est-à-dire enfin ce que t'as eu au début de la PS3, on va dire, plutôt, avec des jeux qui étaient en mode Shadow of Rome. D'accord, ok. Le nom me parle, mais inconnu au bataillon, effectivement, j'ai jamais vu d'image. Donc sympa. Je sais pas ce qu'il écrit. Allez, bonne app, pas de soucis. Merci Svidius. Bonne soirée à toi et bon appétit. Truc de vampire, un truc comme ça. Ça fait un peu truc occulte, on dirait. Impression. Sheldas, tu vas faire des cauchemars, regarde pas. Oh, il est parti, Sheldas. Oh. Il est trop peur. Tu peux jouer le chien. Cool ça. このゲームは得体の知れないものにこう追い詰められて追い詰められて、追い詰められていくこのフィオナ、フィオナをぜひ守ってほしい。あなたの心と深い愛情で守り助け出してほしいと。 私は それを願っております. Demento. OK. Inconnu bataillon. Les psychotripes un peu les psychotripes un peu comme ça. Naoto deした. Ah bah, Killer 7, forcément. You mean this shit all? That's where they all hang out. Automation tells us that there's 14 of them. And they're all fun. Ah mais si, j'ai une barre en bas. Bon, je suis désolé, je passe celui-là, on le connaît, le Killer 7. Ah, ça c'est le versus Capcom, ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a après versus Capcom? Je suis désolé, hein, j'avance un peu. J'essaie d'avancer un tout petit peu dedans. Ah, sur, exclu sur PS2. Peut-être, peut-être pas. Fantôme sont de retour. Ah oui.
Jack is back. Une espèce de délire. Et c'est eux qui ont fait l'adaptation du coup. Ah, sympa. Je savais pas. Je savais pas que c'est eux qui ont fait l'adaptation. Nightmare Before Christmas. Oogie's Revenge. This town has changed, my boy, since you've been away. Without a thinking, it's Oogie Boogie's way. It's payback time! Is that all you've got to say? Well, well, that's the spirit. What have you done to everyone? They're all under my control. You're finished, Oogie. You call that an attack? And so our story continues in the new game. Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Oogie's Revenge. Mm-hmm. Voilà. Plus de 18. Capcom. Peu austère. Activision. Capcom et Activision, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ah bah c'est les... Non, pas les GTA, si. True Crime, non. Ok, ouais. Le petit frère de True Crime. C'est très peu fait, là. D'ailleurs, ils se sont arrêtés, ils en ont fait que deux et c'est tout, les True Crime. Que Street of LA et Street of New York, c'est ça? New York, ouais. Change d'ambiance complètement. Ils ont fumé des... Oui, c'était celui-là qui était... Et du coup, c'est sorti sur GameCube, alors qu'il est annoncé sur Xbox et PS2. Oula. C'est un truc de robot, ça. Ouais. Ah, Hawkman. Évidemment.
Et pourquoi on n'a pas eu le droit à un bon opus, nous, sur GameCube, hein? On a eu le droit qu'à des remakes ou des... Ouais. Je vais arrêter de faire mon exemple, parce que sinon, après... Je crois que les gens n'aiment pas les... Je crois que les gens... Je crois que j'aime pas la GameCube, sinon. Pourquoi j'aime pas la GameCube? C'est que je regrette qu'on ait pas eu de titre... Ce titre-là, sympa... Ce genre 3D dans un monde évolué en 2D. C'est cool quoi. Ils ont fait avec Metroid en plus. Sans déconner quoi. Ils ont fait avec Metroid, avec le dernier Metroid sur Switch. Ils l'ont pas fait sur. Sans déconner. Ça fait quasiment une heure la vidéo, je suis désolé pour YouTube, ça sera un petit peu long. On passera ceux évidemment qui sont connus ou qu'on connaît, mais... Clover. Clover Studio... Habitude Fujo 2, bon ça c'est connu. À moins que ça change quelque chose, c'est ce qu'ils ont annoncé, mais normalement... c'est une annonce qu'on connaît. Et qui est assez longue. On va passer le Habitude Fujo 2, désolé. Clover. Ça, qu'est-ce que c'est? On dirait le Okami sur... Ah oui, ah bah c'est ça. C'est Okami, hein? Ouais, je crois que c'est ça, j'ai un doute. C'est cool. Ah, c'est le truc avec le loup, là. Tu vois, il était sympa. C'est Okami, j'ai un doute sur le nom. J'ai testé, mais j'ai jamais été bien loin. Et du coup, il est sorti sur PS2 et pas sur GameCube. Ils l'ont sorti un remake sur Wii, ça sans déconner, c'était tellement débile. J'ai jamais compris pourquoi ils ont pas sorti directement la bonne version. Enfin bref. Dégage. Tu prends ton manteau, tu t'en vas. C'est vrai que pour ça, par contre, Capcom, on peut leur reprocher plein de trucs. Enfin, moi, il y a des jeux que j'ai du mal à apprécier de chez eux parce que forcément, ils tranchent. En fait, ils tranchent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une DA qui coupe avec tout ce qu'on connaît. Alors bon, sauf certains trucs maintenant qui sont devenus standards, mais ils avaient besoin d'avoir une DA qui fait quelque chose, quoi. Ils avaient besoin de se démarquer tout le temps, quoi. Et ça, pour le coup, c'est vrai que. On peut leur reprocher plein de trucs, mais ça, c'est vrai que c'est cool. C'est cool parce que je pense pas avoir déjà vu ces vidéos là en ligne. Il me semble pas. Oula. C'est quoi ça ? Outbreak. Ah, mais c'est celui qui est sorti sur. Du coup, Blizzard Outbreak est sorti du coup sur PS2, il me semble, uniquement. There should be a ventilation tunnel on the ground. Can you get us out of here? It should.
Ah, on voit que le gameplay, c'est pas ça. On comprend pourquoi ils sont sortis, ils ont été un peu boudés. Et ils sont pas si chers que ça maintenant, les Oil. Oh mon dieu, animation, pitié. Animation et tout sauf. Même là, on le voit quoi. Oh, damn, capsule got broken as well. A capsule, what did it contain? C'est comment est-ce qu'il a l'air beau quoi? Enfin, pas trop moche, on va dire. Déjà qu'en général les les rushs, je les évite, mais alors celui-là je pense que... donne encore moins envie celui-ci. Clover. Ah. Clover. Beautiful Joe. Ça c'est le numéro. Ça c'est le numéro 1. Hop, désolé. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Deux flics à Miami. Oh mon dieu. Oh oui, oulala. Alors là, c'est du high level là. Grand Theft Auto. Ah non, c'est Vice City ça. Ça donne pas envie. Désolé. Grand Theft Auto 3. Je l'ai pas fait celui-là. Le 3, oui, le 3, je l'ai refait. Putain, à quelle occasion? Je l'ai fait sur PC il y a un moment. Ouais. Donc, je sais plus à quelle occasion, mais je l'ai refait le 3. Mais Vice City, c'est celui que j'ai jamais fait. C'est le seul que j'ai jamais fait d'ailleurs. Grand Theft Auto Series, Nihon Do Combat. Ah, ça donne pas envie, je suis désolé les gars. Rockstar Games presents. Encore? Grand Theft Auto, Vice City. Il y a des gens qui ont adoré ça. Mais... c'est le premier, ouais, premier monde ouvert, tu me diras. Pas premier monde ouvert. On est premier monde ouvert, mais bon. On a eu avant ça, mais Capcom. Capcom. Oh là là. Jeu de DVD, jeu de BMX, de skate, qu'est-ce que c'est que ça? Ou tout. Ouf. Ouh, ça se la fait mal. Ah mais c'est machin. Ouais, putain, je cherchais le nom. Oui, oui, oui. C'est celui-là, attends. C'est celui-là, on peut... Non, c'était un jeu de surf. Non, c'était Kelly Slater qui était pourri. Le Kelly Slater qui était pas fou. Les deux. Matt Hoffman, Pro BMX. Ah, bah, ça va. Ah, mais si, c'est le... Oui. Le jeu de... Oui, ok. Oui, bah, non, bah... tester et... ah, une habilité... Alors c'est marrant, c'est... ah bah oui c'est ça, ouais, Kickstarter, c'est celui-là qu'on a, celui-là qui est terrible, qui est terriblement, bon, j'ai rien dit. Ah c'est eux qui ont fait toute la série de jeux, non quand même pas. Matt Hoffman, ah c'était pour concurrencer les Tony Hawk, ça va, non, Tony Hawk c'est qu'on fait ça aussi. Putain. Ah, c'est marrant parce que autant les Tony Hawk...
Après, moi, j'ai l'habitude, c'est sur le... C'est sur GBA que j'ai joué Tony Hawk. Ah, Pro Skater 2... Ah, c'est Pro Skater 2. Pas le 2003. 2003, oui, ça c'est, les... c'est ceux qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire un peu comme des licences, sortir chaque année. Et c'était pas bien, bien folichon quand même. Ah, c'est sur le 2004, je crois, où il y a l'éditeur de cartes. J'ai un doute. Je crois que c'est sur le 4. Sur le 3, oui. Sur le 2004 ou sur le 4, j'ai un doute. Oula. Et ça. On dirait un Alien vs Alien Predator. Mais pas beau. C'est pas Alien, si? Non, c'est pas Alien, ça. Run Like Hell, ok. Connais pas. Capcom. Trilogy. Ah, oula. Street Fighter. There is no limit. Ah, le 3D, Art of Fighter. Du coup, celui qui est sorti sur Dreamcast. Il est pas sorti sur d'autres supports, si, j'ai un doute. Du coup, j'ai un doute. Si c'est sur le support ou pas celui-là. First Strike. Ah, peut-être sur Xbox. J'ai un doute. Sur PS2? Ouais, sur PS2 si, ouais, si, peut-être sur PS2, putain. Non, je maîtrise pas assez ceux-là. Ah, c'est des jeux... Un jeu de baston. Sorti pour rigoler avec les copains en soirée, c'est pas trop le... derrière de la maison, mais après... Ah si, c'est bien pour se détendre, quoi. Mais quand les gens ont le même niveau, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Tu vois, genre faire ça, là, je sais pas comment les mecs font ça, moi ça m'énerve. Le mec qui tue en deux coups, aucun intérêt. Ah, c'est beau, enfin c'est beau à voir. Quand tu vois des gens qui savent bien jouer, c'est beau à voir, mais c'est... Ouais, sur PS2 du coup. PS2, mais il est pas sorti dans le First Strike. C'est fait que c'est sorti sur Dreamcast. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? La drogue? D'accord, toujours l'un extraterrestre, ça t'enlève des gens. C'est marrant ça. C'est drôle. Aïe. Les musiques sont sympas et tout. Tu sais qu'il m'aura un Capcom, c'est que tu t'as de tout et t'as de rien, quoi. C'est vraiment... Il y a vraiment des trucs complètement dingues. Avec la petite musique et tout. Avec une date retranchée, un peu de cartoon. Ah, c'est marrant. Donc, du coup, tu changes de personnage. Quand tu changes de personnage, t'as des gens qui te cherchent, t'as des gens qui vont pouvoir te trouver, d'autres pas te trouver. T'as des bonus, des trucs comme ça. Ah, c'est sympa. C'est une. Et sur PS2, tu poses ça que du coup. Sur PS2, je suppose. Hein. Du coup. Ah bah voilà.
Les fameux, le fameux... Non, parce qu'il a l'air bien comme ça. Commande X, ouais. X commande mission Megaman. Oh mon dieu. Alors je suis désolé, mais j'ai eu beaucoup de mal à apprécier celui-là. Il y a des gens qui m'ont dit que qu'il était bien. Enfin, je vais en mettre un coup dessus, mais... ça me hype vraiment pas, quoi. RPG... Oh. RPG, Megaman. Avec combat en plus en tour par tour. C'est vraiment particulier. N'hésitez pas à le télécharger illégalement et à le tester. Voilà, c'est ça. C'est combat en tour par tour. C'est... Bon. Chevalier du Zodiac. Pardon. Je me moque. Je sais que c'est pas bon de se moquer, mais alors... Donc visiblement il y a la possibilité de faire des combos wombo combo, mais bon. Pas au début, moi. Ce but c'est quand même de passer le premier bot avant de taper sur la suite. Oh mon dieu. Vraiment? Ils ont osé? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc Manex Z 4.5. On dirait un truc Game Boy. C'est un truc Game Boy. Au bruit, etc. C'est un truc Game Boy. Me dis pas que c'est celui que je crois. C'est pas celui que tu trouves partout là, sous blister en GBA là. Il y en a un comme ça que tu trouves à 5 balles partout en GBA blister. Et que les mecs vendent ça 200 balles alors que t'en trouves 9. Me dis pas que c'est celui-là. Si c'est celui-là, je rigole. Oh mon dieu. Ah, c'est... particulier, quoi. Il faut arrêter de vouloir faire du Pokémon avec tout. Vraiment. Non, vraiment. Je me dis pas que c'est celui-là auquel je pense. Oh mon dieu, le bordel. Oh, le carnage. Rookman exe... C'est quoi ce truc? Oh, il y avait un truc bizarre là. Ah, il y avait un truc bizarre là. C'est quoi ce machin? Ah, il y a vraiment que les Japonais pour faire ce genre de truc. T'as deux Rookman 4, ça te fait un Rookman 4.5? Oh là là là. Achète ma... Pardon. Merci JDG pour cette chanson, maintenant à chaque fois que je vois un truc, j'ai envie de mettre Bref. Ça va être la suite. Encore du Rockman? Non mais faut arrêter là. Monsieur, il faut sortir s'il vous plaît, sortez de là. Monsieur. Lâchez Rockman et Ah, mon dieu. Ah. Enfin, qu'il ressemble quelque chose ça ressemble à un Rockman. Megaman. En lequel est-ce? J'aime bien un petit mouvement de personnage à l'arrière, ça donne un petit côté sympathique. Rockman 0, je sais pas trop quoi. C'est numéro 3 visiblement. Des bonus, des pouvoirs. Oh, yeah, yeah.
Pouet. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je suis le méchant, je m'attaque la gentille. Ah non. On est gentil, on va sauver les méchants. C'est pas ça. God damn. Ouais, 6-10. Je vais voir là, un peu la gueule du truc. Bon, c'est un Rockman quelque chose 3. Rockman Z303. Comme ça. Oula. Bonjour. Je fais à manger. Vous les foutre et ramène. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche vachement fort ou c'est moi? Je baisse encore un petit peu. Non. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour un peu de gameplay ou... Non? Ok. Ça marche trop fort. Faut équilibrer le son. Ah. Ici, il y a moi et trois hommes qui vivent. Tous les choqués. Si tu ne vis pas dans cette maison, on t'apprend à tisque sexuel ou un truc comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce jeu encore? Oulala. Bonjour, je suis un beau gosse ténébreux. Veux-tu venir avec moi? Joker, monsieur l'arbitre. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah, ils ont mangé à tous les râteliers Capcom. Hein. C'est terrible. Tu m'as trompé. Non, c'est pas ce qu'il dit. Ah d'accord, il faut trouver ton meilleur parti. C'est moi ou leur visage c'est un triangle? Ah, un bon gros triangle des familles. Hein. C'est-à-dire que plus aussi... Au moins eux, c'est terminé trop fort et qu'ils perdent un téton... Le meilleur parti. C'est quoi, c'est un jeu DS ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te censurer ou pas? C'est juste pour savoir. Ah, youpi. Mais c'est un viol. Putain, c'est quoi? Mon dieu. Ah non, c'est sur PlayStation 2, quoi. Ah, il y a vraiment eu des trucs, de toute façon. Désolé, on se moque pas. Il faut de tout. Ah, ils sont quand même obligés de préciser qui a fait ça. C'est pas nécessaire les gars, quand on fait un... Il faut pas. Hein. Je sais même pas ce que c'était comme jeu. Je veux pas savoir. Ah, 2049. Fais-moi rêver. C'est vrai qu'on manque quand même pas mal de beat'em up, sur GameCube, je trouve. Pourtant sur d'autres consoles, il y avait pas mal d'essais ratés aussi, faut pas se mentir. Mais pourtant c'est vrai qu'on manque de beat'em up sur GameCube.
Alors, on a eu, ouais, si, les Batman, les X-Men, etc. Mais, autre chose que des licences, on va dire. Crimson Tears. Alors ça. Crimson Tears. Eh ben écoutez, j'irai voir, hein, j'ai acheté un œil un coup ça après. Oula, Westerns. Ouh, quel bel arbre. C'est gun. Enfin, presque. Pas grand chose près. C'est pas Capcom qui a fait gun. J'ai un doute. Ah, du coup, ça me fout le doute. Rockstar Games. C'est un jeu Rockstar. Red Dead Revolver. Ah. Donc, pas de Red Dead Redemption. Red Dead Revolver. C'est là son vrai nom ou vous pensez que... Un Dead Revolver. Oula. Ça me traîne à tout va. Ah, ce que j'aime bien c'est l'esprit avec la musique. Par contre, ça fait un peu trop rail shooter, je trouve, à mon goût, mais Ah, est-ce que c'est parce que c'est la partie shoot qui est comme ça? Ou est-ce que c'est tout le jeu qui est comme ça? Faudrait juste voir ça. C'est vrai que ça, par contre, j'ai jamais eu. Un Call of Duty sur la guerre de sécession. Ça, ce serait cool pour le coup. Ça serait cool. Donc, Red Dead Revolver. Mm-hmm. Et Crimson Tears, Red Dead Revolver. Voilà, et donc du coup, on a fait du coup tous les All Play, New Game Preview. Ah merde, putain, oui, donc en fait, ça, oui, donc il y en a un paquet quand même de vidéos là. Secret Movie. Mm. Quel est ce petit secret, petit coquin? Fais-nous rêver. Vends-nous du rêve. Ah mais c'est celle-là. On vient de la voir celle-là. Ah mais du coup qui est pas sortie Ah, attendez, je veux juste... On va arriver à la fin, je suis désolé. Ah donc ça c'est la petite news Red Dead Revolver. Ok, d'accord. Et du coup il est sorti sur PS2 le Red Dead Redemption. Le 2 est sorti sur PS4, ça ok. D'accord, hein, oui. New Game Preview. Bah, du coup, il a fait le tour, en fait, là. Ah oui, All Play, c'était tous les trucs. New Game et In Store Now, ça, c'est tout ce qui est déjà en vente. D'accord, oui, donc, mais en fait j'ai tout fait en faisant le All Plays. Merde. Donc, en fait, il y a juste une heure de vidéo dessus, et c'est tout. Bon, et eh ben, c'était quand même pas mal. YouTube, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Normalement, si ma scène marche pas, c'est cool. Allô, petit. Hop, je vais juste... Mais attends, excusez-moi. Mon HD macro ne fonctionne pas, trop cool. Ah si, normalement. Ah, voilà, on est revenu dessus. Donc YouTube, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bah du coup, c'était pas mal, c'était pas trop mal. On a vu quelques trucs sympathiques, des trucs un peu bizarres. Et j'irai voir un petit peu ce qui se passe après sur d'autres... Mais c'était cool. Bisous YouTube, à bientôt.